Hola mes chats, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une rencontre avec Clarisse Habard. Donc aujourd'hui, nous avons un déjeuner d'organiser à Nice. Pour une fois, c'est à Nice, avec les éditions Charleston pour la sortie du nouveau roman de Clarisse Habard. Donc je vous rappelle, La vie a plus d'imagination que nous, qui est la suite de son roman sorti l'année dernière, sa romance de Noël qui s'appelle La vie est belle et drôle à la fois. C'est parti! De vous présenter mon éditrice. Bonjour. Mon attaché de presse, une libraire, une super libraire, une autre super libraire et une lectrice exceptionnelle. Et pour ma part, je vous retrouverai tout ce week-end au Festival du Livre de Mont-Sartre. Voilà, je suis rentrée de mon déjeuner et c'était vraiment très très sympa. Comme vous avez pu le voir, on s'est régalé. L'ambiance était super chouette parce qu'on était un petit groupe et le cadre était vraiment top, le patio à Nice. Ce qu'il en est, Clarisse m'a dédicacé mon exemplaire de La vie a plus d'imagination que nous. Et je suis également repartie avec un tote bag. Je lis comme je respire. Je l'ai fait dédicacer. Hein. On fait sa groupie. Voilà, j'assume. En tout cas, je continue de vous emmener avec moi tout ce week-end au Salon du Livre de Mont-Sartre. J'espère que ça vous plaira. Bonjour les amis, je suis trop contente de vous emmener avec moi aujourd'hui. On va aller au Salon du Livre de Mont-Sartre. Donc cet après-midi, on va essayer de voir quelques auteurs. Mais avant cela, vous savez que c'est mon club de lecture. Donc c'est la première édition que je lance avec Cultura. Donc au Cultura de Mandelieu, c'est dans le 06, donc sur la Côte d'Azur. Et donc là, il est presque 9h du matin. On va aller prendre notre petit déjeuner en bonne compagnie. Puisqu'en fait, on a un petit déjeuner Paul qui nous est organisé avec Cultura. Et on va présenter des livres. Donc cette fois-ci, le thème, c'est la rentrée littéraire. Donc voilà, moi j'ai prévu deux livres à vous présenter. Ça c'est ma maman, vous la connaissez déjà. Bonjour tout le monde. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'elle va présenter. Et puis les autres participants, participantes, je ne sais pas non plus. Voilà, donc l'équipe est arrivée. On va maintenant vous laisser parce qu'on a un café qui nous attend. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Voilà mes petits chats, je suis de retour chez moi. J'ai été très sage, je n'ai acheté que deux livres, dont un dédicacé et un d'occasion. Donc franchement, cette première journée, je suis assez contente de moi. J'avais très envie de rencontrer Yannick Granek, donc cet auteur qui a écrit Les Simples. Je vous mettrai le résumé si vous le souhaitez. En tout cas, c'est une auteure que j'ai trouvé très très agréable, très gentille. J'avais vu ce roman passer sur la chaîne de Margot Liseuse. Je pense que c'est un roman qui va tout à fait me parler. Ça se passe en Provence en 1584. Et ce sont donc des religieuses bénédictines qui utilisent des simples, donc la botanique, pour faire un petit peu, je dirais, de la sorcellerie. Enfin, attention, hein, le mot est grand. J'ai pas encore lu le roman, mais c'est un petit peu ce que m'avait vendu Margot. Donc voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Et puis j'ai choisi ce petit roman que j'ai trouvé de chez 10-18, donc en occasion, 1 euro, de Nancy Mitford, Highland Flings. Je pense que ça parle de l'aristocratie en Écosse en 1930, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout à fait le style que j'aime lire durant l'automne. Les lectures, comme je les appelle, un peu sombres, il fait froid, ça se passe en Angleterre, un peu gothique. Je pense que voilà, ça peut très bien se prêter à l'automne. J'ai été très sage, donc j'en ai que deux à vous présenter. En revanche, je retourne demain au salon, donc je vais peut-être en acheter d'autres, rencontrer d'autres auteurs, c'est possible. Et puis voilà, donc je vous emmène avec moi demain également. J'espère que ce premier vlog vous a plu. Putain de moustiques. Bonjour mes petits chats, bon voilà, on est sur le deuxième jour du salon, on va partir à Montsartou, donc là on est encore chez moi, et on va aller voir des auteurs, on a profité que ce soit le matin, que ce soit un petit peu plus calme pour avoir plus de temps, et puis bah, on vous emmène avec nous. Voilà mes chats, de retour du salon du livre le deuxième jour. Donc j'étais avec ma tante, je vous ai pas trop filmé parce que je trouvais que c'était un petit peu la même chose que ce qu'on a vu hier. Du coup je reviens avec trois livres. Le premier c'est un roman de Camille Läckberg, donc le tome 3, le tailleur de pierre de sa saga. Finalement c'est simplement un livre pour le plaisir, c'est pas une dédicace ou autre, c'est simplement qu'on était sur le stand de Actes Sud et que voilà, ça, c'est des petits moments que j'aime bien en hiver lire les romans scandinaves, enfin polar scandinave de Camille Läckberg. Donc voilà, c'est une saga que j'aime bien. Pour rester dans le polar thriller, j'ai acheté le roman de Brigitte Aubert, donc La mort des neiges. Je ne sais pas si vous connaissez Brigitte Aubert, c'est une autrice réalisatrice du sud de la France. La mort des neiges, c'est la suite de La mort des bois. C'est un roman dont le personnage principal s'appelle Élise. Elle est handicapée et en fait, elle est aveugle. Et une petite fille va lui dire qu'il y a un meurtrier qui rôde, etc. et qui cible que des femmes. Donc elle, en fait, ne peut pas vraiment la croire. Enfin, il y a un mystère du coup concernant sa maladie. Et je connais pas l'histoire, donc on verra bien ce que ça raconte. En tout cas, ça c'était pour La mort des bois et La mort des neiges. Donc c'est la suite où elle est dans une station de ski ici sur la région. Et pareil, il y a un meurtre, etc. Donc je vous dirai ce que j'en pense. C'est des thrillers que j'aime beaucoup parce que Brigitte Aubert a une très bonne plume. Et voilà, c'est une petite collection de chez Point que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, il est dédicacé. Et enfin, je pense que vous connaissez l'auteur, l'actrice, mais pas l'autrice. J'ai acheté ce roman de Annie Dupuré, donc Allons voir plus loin, veux-tu. C'est un très vieux roman qu'elle a écrit, enfin c'est un de ses premiers, je crois même que c'est
c'est pas son premier, oui peut-être c'est son premier. Et en fait ça ressemble beaucoup à Anna Gavalda, Ensemble c'est tout, peut-être ça vous dit quelque chose, peut-être le film. C'est l'histoire de plusieurs personnages qui n'ont absolument rien en commun, des histoires banales, des gens un peu écorchés. Qui vont se retrouver, ils vont avoir un lien entre tous. Et voilà, bah ça, je pense que c'est une fin heureuse aussi, quelque part. Voilà, c'est un petit roman, je pense, assez feel good, mais assez sentimental. Et celui-là aussi, je l'ai fait dédicacer, puisque Annie Dupeuré vient souvent sur la Côte d'Azur. Donc au final, ça me fait 3 livres pour aujourd'hui et 2 hier. Donc franchement, j'ai été super sage pour un festival du livre. D'habitude je repars avec une dizaine de livres. Sinon je vous retrouve pour un prochain vlog en novembre, puisque je vous filmerai le festival du livre de Brive. C'est la première fois pour moi que j'irai. J'y vais également avec ma tante que vous avez vue aujourd'hui. Et donc on part 3 jours. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi. J'espère que ce petit vlog vous a plu. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis ciao.